faire mieux l'affaire. Et ici, on va pouvoir partir là-dessus. Et derrière, le team il le fait. Et un petit mélo fait derrière. Allez, ceci c'est vraiment pour la forme. Dernier combat Pokémon. Hello, bienvenue à toi. Donc j'en profite pour faire ce dernier combat Pokémon. Et c'est un combat YouTube, hein, rien que pour vous les amis. Donc ici aujourd'hui, je vais d'abord tout d'abord allumer la lumière pour ce dernier combat. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc place à ce combat Pokémon. Ce dernier combat, je vous fais un peu le topo ici. Il faut savoir qu'on a énormément perdu en classement. Nous étions dans les 2000 au début, hein, millième, et puis on a dégringolé tout ça en live. Hein, donc voilà, je ne vous cache rien. Mes bons et mes mauvais combats. Et ici, on est sur une tellement une mauvaise série que je me suis dit allez, on va pas vous montrer que du bon jeu, on va vous montrer également les moments de faiblesse. Et ici vous avez un combat qui tombe pile poil sur ce thème de mauvaise période, hein, ce thème de mauvais win rate, ouais, voilà, c'est des lose rate ici, on est en train de les enchaîner. Et j'en profite quand même pour vous faire part d'une des manières de jouer lorsque ça ne va pas. Vous allez voir qu'il n'y a rien qui va, hein. Et ici je vous le montre justement en essayant de ne pas faire cela exprès, bien évidemment. Aïe aïe aïe, deux possibilités, soit il va switcher sur son Ronflex et je pars sur le KO. On va aller chercher merde. Voilà, déjà ici faut pas que je déconne. Écoutez, on va rediriger et on va aller chercher l'Arcana avec Hydro. On va rediriger et aller chercher Arcana. Parce que ici, deux possibilités. Soit l'adversaire se dit ah merde, je vais le défoncer. Je vais prendre mon Dragapulte, switcher, mettre soit Ronflex si je fais une attaque Spectromax. Donc ça veut dire sur Ronflex qui est de type normal, les attaques spec ne passent pas. Soit il va se dire ah merde, je vais switcher sur un Pokémon qui n'est pas affecté par le dragon. Et il switcherait son Dragapulte sur. Donc, plutôt que de me prendre la tête, je pars du principe qu'il va me faire soit une attaque spectre en dynamaxant son Dragapulte. Donc je redirige. Ah non, ok. C'est pas Dragapulte, c'est déjà Arcana qui va dynamaxer. Donc je fais plutôt Hydromax. Je redirige son attaque. Comme ça on est tranquille. Donc ici, première surprise, je pensais que ce serait Dragapulte qui aurait dynamaxé. Mais non, c'est Cœur Noble. On redirige son attaque, on part sur Hydromax, on pose la pluie, de manière à faire le chaos au tour suivant, puisque la pluie augmente les dégâts des attaques hauts, je tiens à le rappeler. L'adversaire, que va-t-il faire? Est-ce qu'il part sur Baston? Ok, il part sur Baston, sur Wimessir, donc c'est un Arcana Cœur Noble. Donc il va pas pouvoir booster son Arcanin pour nous faire voir la misère. Attention toutefois à l'attaque Dracomax qui va aller s'écraser sur Wim. Que faire les amis? Est-ce que l'adversaire va se... Je pense pas qu'il va... Je refais par ici. Quoi qu'il arrive. Alors. Est-ce que je vais aller chercher Arcana, je pense. Je pense qu'il faut aller le chercher. Et non pas l'autre. Je pense que voilà. Je pense qu'il faut aller le chercher. Oh, il réfléchit, peut-être qu'il va me contrer. Mais je pense que je dois quand même aller chercher Arcana qui a dynamaxé. Si on fait le chaos sur lui, on est quand même bien dans la game. Est-ce que j'aurais dû chercher peut-être Spectromax? Non, c'est le risque est trop grand qu'il switch. On va quand même rediriger l'attaque. Ouais, c'est le bon choix. On fait le chaos. On fait le chaos sur Arcana.
Alors, on est vraiment sur une série vraiment de défaites, hein. Je ne rigole pas. Et là, pour l'instant, on prend l'avantage. L'adversaire qui refait baston. On va perdre Wim. On va le perdre. Mais au moins, le bon côté, c'est qu'on n'a plus à craindre. On n'a plus à craindre ici le switch. Ok. Très bien. On peut partir sur par ici. Pas de Dynamax en face. On va partir sur le Spectromax. Fulguromax, pardon. De manière à éviter les bâillements. Une attaque bâillement qui peut toujours être gênante, hein, je tiens à le rappeler. Ok, très bien, moi ça me va. On protège notre Dragapulte. Le par ici des familles. Feu follet. Je pense que Mélophée va pouvoir le gérer. C'est parti pour Fulguromax. Les dégâts sont importants, mais il n'y a pas le chaos, malheureusement. Au moins la pluie est présente. Et on pourra évidemment se faire plaisir sur Fatal Foudre. Tout en protégeant notre Dragapulte, bien évidemment. On va plutôt aller chercher le lance-orien ennemi. Et rediriger. L'adversaire devrait faire par ici, je crois. Ah non, même pas. Nous, on va rediriger évidemment le châtiment derrière Balombre pour aller chercher le lance-orien qui commence à piquer sévèrement, j'ai envie de dire. On fait le chaos, sans surprise. Corps maudit bloque Balombre, mais on n'en a plus besoin. Éclat magique, hein, pour faire des dégâts avec coup critique peut-être. Pas de coup critique. Pas de toque crit. On va faire le chaos sur les Kiss. Prochain tour. Ou pas. Ah, ça m'emmerde finalement. Waouh. Oh, c'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage, hein, de ne pas pouvoir avoir Balombre. Est-ce qu'il a éclat magique, hein, le symbiose? Ce serait juste emmerdant. Donc on achève l'avant-dernier Pokémon de l'adversaire. Et la disto. Ok. Parti pour 4 tours. Dragapulte pourra nous aider par la suite. On ne va pas le laisser mourir. Il est précieux. J'ai fait psycho. Évidemment. Sur notre brave Pokémon. Attention, il peut encore gagner. Hein.
comme je... Voilà, je voulais absolument... récupérer Balombre, qu'on a perdu au préalable. Trois tours de distorsion, merde. On va attaquer. On n'a plus que ça à faire. Est-ce qu'il a Écosphère ? Ah, il a Psycho. Il faut attaquer. Là, pas le choix. Il se fait plaisir. Je pense qu'on peut compter sur Tortank. Dans les moments aussi décisifs. Malheureusement, on n'a pas abri hein, pour pouvoir temporiser. Ah, il a Écosphère, on a perdu, les amis. On perd ce... Ah, attendez. Peut-être avec Torrent. Ah non, Torrent ne s'active que pour les attaques. Oh, c'est une défaite. Voilà. Je ne vous avais pas menti. Hein, je vous avais promis hein, de perdre. Eh bien, c'est le cas. Sans forcer. Voilà. N'hésitez pas, évidemment, à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à m'écrire ou autre. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Si cela vous plaît, n'hésitez pas toujours à venir. Hein. N'oubliez pas que je stream souvent sur Twitch. Venez-y, venez me rendre visite. Vous avez même la possibilité de me donner quelques leçons de stratégie hein, en m'affrontant, simplement. Je ne dis jamais non. Donc, toujours en duo et non pas en solo. Donc, venez me rejoindre. Je pense qu'il y a pas mal de choses intéressant qui vous attend. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et surtout veillez à votre santé, je pense que c'est le plus important, bien plus que les jeux, bien entendu. Portez-vous bien et merci encore pour ce follow hein, qui tombe à pic et qui me redonne le sourire. Merci à toi Grèche, bienvenue sur le show. Malheureusement ici je vous donne rendez-vous peut-être même ce soir pour pouvoir me voir encore live ou alors demain. Portez-vous bien et bien sûr gardez la santé, bien évidemment. Ciao, ciao, à très bientôt.